Living Seed Media brings to you God's Word, which is His comprehensive equipment for changing lives. May the Lord impact your heart as you encounter His Word. For further inquiry or counsel, contact Peace House, P.O. Box 971, Boko, Benue State, Nigeria. Telephone numbers 0703-036-3659, 0703-768-1198. Email address lsmedia@livingseed.org or visit our website at www.livingseed.org. Let us sit back and listen as the servant of God brings forth the word of life. Tonight, I want to deal with focusing our preaching on the pivot of the gospel. Focusing. I'm dealing with focusing tonight. Aujourd'hui, je voudrais parler du fait de concentrer notre prédication sur la croix. Coming to a place where Paul said, venant de l'angle où Paul dit, I determined to know nothing among you, je ne veux rien savoir parmi vous d'autre que, except Christ and Him crucified, que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. I want to come to a point where every time we confront men with the word of God, je voudrais arriver au point où toutes les fois que nous confrontons les gens à la parole de Dieu, whether for 5 minutes, que ce soit pour 5 minutes, or for 5 hours, ou bien pour 5 heures, we will not have finished speaking, on n'aurait pas fini de parler, until we have brought men, tant que nous n'avons pas amené face to face, les gens à être confrontés, with the reality of what happened at Calvary, à la réalité de ce qui s'est passé au Calvaire. Permit me to submit to you, je voudrais vous dire, vous soumettre, that if we give a faulty gospel to men, je voudrais vous dire que si nous servons un faux évangile aux gens, we will raise faulty converts, on va susciter des faux convertis, and because they do not have a correct foundation, et comme ils n'ont pas un bon fondement, 20 years in church, we never make them anything different. 20 années dans l'église ne fera aucune différence dans leur vie. And if we are sincerely looking for men that will go to heaven, et si nous recherchons des gens pour le ciel, it is important that the gospel must be properly preached. Il est donc important que l'évangile soit prêché de façon adéquate. I know by the time God brings us to the bigger meeting, je sais que quand nous serons dans la grande réserve, He will give us opportunity, il nous donnera l'occasion, to deal with this issue more elaborately, de nous occuper un peu plus en profondeur de ce sujet. But for us tonight, mais pour nous ici ce soir, I would like you to come along with me, venez avec moi, allons-y, as we turn the Bible one more time, lorsque nous allons ouvrir encore une fois de plus la Bible, to 1 Corinthians chapter 2. En 1 Corinthiens chapitre 2. You know, we read 1 Corinthians 1 yesterday. Hier, nous avons lu 1 Corinthiens chapitre 1. And we came into chapter 2, but we did not spend time there. Nous sommes arrivés au chapitre 2, mais on n'a pas eu le temps de l'explorer. Now, I want to spend a bit of time in that chapter and then go to Colossians. Donc nous allons passer un peu plus de temps dans ce chapitre avant d'aller dans le livre des Colossiens. One thing we noted yesterday, une chose qu'on a fait ressortir hier, empty humans, c'est que les paroles vides, les paroles en l'air, has a way of robbing the cross of his power, ont une capacité de priver la croix de sa puissance. High-sounding intellectualism, les messages sophistiqués intellectuels, only obscures the cross to the detriment of the hearers, ne font que priver la croix au détriment de l'auditeur.
And I noted yesterday, I cannot overemphasize that, but let me say it again. Et je l'ai dit hier, je ne peux pas le dire assez, je vais le répéter encore. That the cross, the preaching of the cross, c'est que la prédication de la croix, is the point at which authentic power is released into the life of people. Est le niveau auquel la réelle puissance de délivrance est libérée dans la vie des gens. Whereas, the devil tries to blackmail the cross. Donc là où le diable essaie de faire un chantage et de dénigrer la croix. As if the cross is a problem. Comme si la croix est un problème. As if somebody has a very difficult marriage. Comme quand quelqu'un par exemple a une mauvaise expérience difficile dans le foyer. And he has tried to settle with his wife and he could not. Et qu'il a essayé de régler le problème avec sa femme et puis il n'arrive pas. When we want to counsel him, say, brother. Quand on veut l'encourager ou le conseiller, on dit frère. Everybody has to carry a cross. Chacun doit porter sa croix. Just accept that that woman is your cross. Accepte simplement que cette femme là, elle est ta croix. Now that is a blackmail of the cross. Vous voyez, cette façon de voir, c'est un chantage de la the croix. The cross is not a problematic marriage. La croix, ce n'est pas un problème dans le foyer. The cross, even though there's a lot of suffering that we discuss about the cross of Jesus Christ. Quoi qu'il y ait de la souffrance dans la croix de Jésus-Christ, but it is not the suffering that is the essence of the cross. Mais ce n'est pas la souffrance qui est l'essence de la croix. Sometimes every time you want to present the cross, you think that when you talk about the cross, we are saying you will suffer, you will suffer. On a tendance à croire que en parlant du message de la croix, on est tenté de dire que tu vas souffrir, tu vas souffrir. But let me inform you that the cross, mais laissez-moi vous dire que la croix, was a divine instrument of glory. En fait, est un instrument divin de gloire. Whatever suffering that came around the cross, quelle que soit la souffrance qui s'attache à la croix, that is not the essence and that is not the purpose of the cross. Ce n'est ni l'essence ni le but de la croix. Are we together? Est-ce que vous suivez? Oh my God, are we together? Est-ce que vous suivez? Now, the cross, et maintenant, la croix, is the wisdom of God. Est la sagesse de Dieu. Actually, the cross, en fait, la croix, is a mystery. Est un mystère. Is a secret wisdom. C'est une sagesse secrète. That beats arms down all the strategies of the devil. Qui a détourné, bien qui a surpassé toutes les stratégies du diable. And so when we come to talk about the cross, alors, lorsque nous arrivons à parler de la croix, you will see men of old that have come to understand the cross. Vous voyez les gens d'autrefois qui ont compris la croix. They have seen the cross as a place of glory. En fait, ils ont vu la croix comme un lieu de gloire. Because it is the basis of our victory. Parce que c'est le fondement de notre victoire. So this night, as I begin to look at that mystery, donc ce soir, alors que nous commençons à considérer ce mystère, I am doing that because je le fais parce que the gospel will not be fully preached. L'évangile ne sera pas pleinement prêché. It will not be completely preached. Il ne sera pas complètement prêché. It will not be properly preached. Il ne sera pas prêché de façon adéquate. If the cross, si la croix, does not take a center stage in our presentation. Ne occupe pas la place centrale de notre présentation. Alléluia. Amen. You know, for several preachers, vous savez, pour plusieurs prédicateurs, they think that the preaching of the cross is old fashioned. Ils pensent que le message de la croix est dépassé, c'est démodé. And they think when we talk about the cross, ils pensent que quand on parle de la croix, we bring people into bondage. C'est qu'on amène les gens dans les liens, dans l'esclavage. We bring people onto unnecessary poverty. C'est qu'on les amène dans une pauvreté inutile. But may I announce to you, mais je voudrais vous annoncer that the cross, que la croix, is the place, est le lieu, where the tyranny of Satan over mankind was destroyed. Où la tyrannie de Satan sur l'humanité a été détruite. If I were to tell you very clearly, si je veux le dire encore plus clairement, the cross, la croix, was where the spirit of poverty was finished with. Est le lieu où l'esprit de pauvreté a pris fin. The cross, la croix, was the place, c'est le lieu,
where all the accusation the enemy has accumulated against us was discarded. C'est à la croix que toutes les accusations empilées par l'ennemi contre nous a été rejetées. The cross, la croix, is actually the center, est en fait of le centre, God's divine program, de, du programme divin. It is the center. C'est le centre. Everything from Genesis, depuis la Genèse, was looking forward to the cross. Tout regardait vers la croix. And everything from when the cross took place, et toute autre chose à partir du moment où la croix a eu lieu, all through to the end of the Bible, jusqu'à la fin de la Bible, were only looking back. Tous ces événements-là ne font que se référer à la croix. So you see the cross. Et vous voyez donc la croix. How do I put it now? Comment est-ce que je peux dire cela? If we were doing a graph now, si vous devez faire un diagramme maintenant, I would have located the cross. J'aurais mis la croix at the origin of the coordinate axis. Au cœur de of the coordinate. Sorry, brother. Sorry, I'm sorry. All I'm saying is that the cross. Bon, tout ce que je veux dire, c'est que la croix is the reference point, est le point de référence, where every coordinate emanates from. Okay, c'est de là que émane tout ce qui est coordonné. It is the origin. C'est le cœur, c'est l'origine. Anything that does not originate from the cross, tout ce qui ne provient pas de la croix, is not a genuine experience. N'est pas une expérience authentique. Anything that does not emanate from the cross, tout ce qui n'émane pas de la croix, is not authentic. N'est pas authentique. Any experience that any man has, toute expérience que quelqu'un a, and he could not trace it to the cross, il ne peut pas se référer à la croix, is out of symmetry. Et en fait, en dehors de la symétrie, it cannot fit into the divine plan. Ça ne peut pas s'intégrer dans le plan de Dieu. I don't know whether I'm communicating with you. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Eh? Alléluia. 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 Can I inform you? Je voudrais vous dire. The law of Moses, la loi de Moïse, they all ended at the cross, a pris fin, s'est accompli à la croix. All covenants, toutes les alliances, all terminated at the cross, tout s'est arrêté à la croix. May the Lord give you understanding. Que le Seigneur vous accorde la compréhension. If you are even covenanted to a spirit, et même si vous êtes lié dans une alliance à un esprit, it is a familiar spirit, disons que c'est un esprit de famille, or it is an ancestral spirit, ou un esprit ancestral, that has run in your family for 100 years, qui a régné dans la famille pendant une centaine d'années. When you come to the cross, mais quand tu arrives à la croix, all such covenants come to finish. Toutes ces alliances là viennent et prennent fin à la croix. Nullified at the cross. Parce que à la croix elles sont annulées. When we bring a man to the cross, lorsque nous amenons quelqu'un à la croix, we are bringing him to the place, nous l'amenons au lieu, where every issue in his life, où toutes les questions et les problèmes de sa vie finds leur solution. Every conflict, tout conflit, let me tell you, je vous dis, even if it is a conflict the devil is having with you, même si c'est un conflit que le diable a avec toi, at the cross, à la croix, Satan lost the power to execute vengeance. Satan a perdu le pouvoir d'exécuter la vengeance. Are you hearing me? Est-ce que vous me suivez? Listen. Suivez. I have not said that Satan forgives. Je n'ai pas dit que Satan pardonne. Satan forever is the accuser of the brethren. Pour toujours, Satan est l'accusateur des frères. But you see, at the cross, et vous voyez à la croix, he lost his power. Il a perdu sa puissance to accuse, d'accuser. And he lost his power. Il a aussi perdu le pouvoir to punish you. De punir. He lost his power. Il a perdu son pouvoir to subdue you. De te soumettre, de te dominer. This is why Satan will not. C'est pourquoi Satan ne va jamais be at ease. Être à l'aise. For us to tell the story. De ce que nous puissions raconter. For us to preach the cross. Et l'histoire est prêcher la croix. Because parce that que was where he lost c'est it all. À la croix qu'il a tout perdu.
Are you hearing me at all? Vous suivez? May God give you understanding. Que Dieu vous accorde la compréhension. Whenever you people talk about devil and demons. Toutes les fois que les gens parlent du diable et des démons. And they say, oh, he is coming. Et ils disent, il vient. That he is going to oppress you. Il va nous opprimer. And that you need a special prayer. Et tu as besoin d'une prière spéciale. You will notice that there is one matter they have omitted. Tu vas toujours te rendre compte qu'ils ont oublié un problème, un aspect. What have they omitted? Qu'est-ce qu'ils ont oublié? They have omitted the cross. Ils ont toujours mis de côté la croix. They will be talking as if the cross has not taken place. Ils vont s'exprimer et voir la chose comme si la croix n'a pas eu lieu. And the devil enjoys that. Et le diable aime ça. Because he diverts attention. Parce qu'il aime dévier l'attention. But at the cross. Mais à la croix. The only thing the devil has regretted. La seule chose que le diable regrette et qu'il continue de regretter. For which he could never recover. Pour laquelle il va jamais se remettre. Was that he crucified the Lord? C'est qu'il a laissé qu'on a crucifié le Seigneur de gloire. The cross. La croix. Was one matter. Était un problème, un sujet. That finished. C'est un aspect qui a. Every hold of Satan. Qui a mis fin à toute emprise de Satan sur l'humanité. Now, let's read scriptures. Lisons donc la Bible. As we read it tonight, et en lisant ce soir, my prayer is that God will give you understanding. Je prie que Dieu vous donne et vous accorde la compréhension. What I am doing tonight, ce que je fais ce soir, believing God, croyant en Dieu, that we will enter into an experience, nous puissions entrer dans une expérience of the full blessedness, de la plénitude de bénédiction, of what Jesus accomplished at Calvary, de ce que Jésus a accompli à la croix du calvaire. Let's begin by looking at 1 Corinthians chapter 2. Revenons à 1 Corinthiens chapitre 2. And I'll read verse 6. Et je lis le verset 6. I'll read verse 7. 7. I'll read verse 8. Verset 8. Howbeit we speak wisdom among them that are perfect or them that are matured. Yet not the wisdom of this world, nor of the princes of this world that come to naught. But we speak the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom, which God ordained before the world unto our glory, which none of the princes of this world knew. For had they known it, they would not have crucified the Lord of glory. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 6 à 8. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse des dieux, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Amen. Amen. The cross, la croix, is God's wisdom. C'est la sagesse de Dieu. You know, earlier in chapter 1, he had said. Vous savez, un peu plus haut, au chapitre 1, il avait dit that the preaching of the cross, que la prédication de la croix, is foolishness to those who perish. Est une folie pour ceux qui périssent. But it is the wisdom of God. Mais c'est la sagesse de Dieu. And it is the power of God. Et c'est la puissance de Dieu. To those of us who believe. Ceux d'entre nous qui croient. So now verse 6 now says. Et maintenant au verset 6 ici il dit. This wisdom. Cette sagesse là. Is not the wisdom of this world. Ce n'est pas la sagesse de ce monde. It's not the wisdom of the princes of this world. Ni la sagesse des princes de ce monde. That come to nothing. Qui sera anéanti. But this wisdom we speak. Mais la sagesse que nous prêchons is a mystery. Est un mystère.
It's a hidden wisdom. C'est une sagesse cachée. With God ordained. Que Dieu avant les siècles avait destiné. Yeah, that's good. God established it. Dieu avait établi cela. Before the world. Avant le monde. For what purpose? Pour quel but? For what purpose? Pour quel but? Unto our glory. Pour notre gloire. It was ordained. Cela était destiné. Before the world. Avant le monde. Unto our glory. Pour notre gloire. Please hear this. Suivez cela. The cross. La croix. Was not an afterthought. Ce n'est pas une cause à effet. It was not a mistake. Ce n'est pas une erreur. It was a divine plan. C'était un plan divin. And because it has been in God's plan. Et parce que c'était dans le plan de Dieu. There were so many pictures of it in the Old Testament. Et il y a plusieurs illustrations de cela dans l'Ancien Testament. Several pictures of the cross. Plusieurs illustrations de la croix. That as you start studying the word of God, lorsque nous étudions la parole de Dieu, you will see that so this exactly it is. On se rend donc bien compte que donc c'est de ça qu'il s'agissait. Why did God establish it? Pourquoi Dieu a établi cela? It was for our glory. C'était pour notre gloire. And we cannot bring men. Et nous ne pouvons pas amener les gens. To experience the glory. À expérimenter la gloire. If they will not experience the cross. S'ils n'expérimentent pas la croix. Those of you that are preachers. Vous les prédicateurs. My prayer. Je prie. Is that this matter will be imprinted on your heart. Que cette affaire là soit imprimée sur votre cœur. I have come to discover. Parce que je découvre. You can do endless deliverance ministration for a man. Qu'on peut faire for 10 years. Une délivrance qui peut durer 10 ans pour quelqu'un. You could cancel a man from a sinful habit for 10 years. On peut faire une cure d'âme de quelqu'un par rapport à une habitude, une mauvaise habitude pendant 10 années. And it will be an endless sacrifice. Et ce sera comme un sacrifice sans fin. But bring that same man to the cross. Mais apportez cette même personne à la croix. And let him see something finished at the cross. Et que cette personne voit ce qui s'est passé à la croix. From that day forward. À partir de ce jour, you find a man who is free. Vous voyez quelqu'un qui est libre. From that moment forward. Dès cet instant, you find a man who is released. On voit quelqu'un qui est libéré. You find a man who is living victoriously. Et quelqu'un qui vit dans la victoire au-dessus du péché. Praise the Lord. Gloire à Dieu. If the prince of this world had known, si les princes de ce monde avaient su, what did the Bible say they would not have done? Qu'est-ce que la Bible dit qu'ils n'allaient pas faire? Tell me, please. They would not have crucified the Lord. Ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Unfortunately for the devil. Malheureusement pour le diable. Fortunately for me. Heureusement pour moi, the cross has taken place. Il y a eu la croix qui a eu lieu. Alléluia. Praise the Lord. Amen. But before we go now, mais maintenant, avant de continuer, let's take a quick flashback. Faisons un retour en arrière rapide. As you return to John chapter 12. Alors que nous retournons en Jean chapitre 12. You know in John chapter 3, vous savez qu'en Jean chapitre 3, when Jesus was talking to Nicodemus, lorsque Jésus parlait à Nicodème, when the man was saying, how can a man be born again? Et quand il a dit comment quelqu'un peut naître en un jour? Et the only de nouveau, answer that Jesus pointed to him, la seule réponse que Jésus lui a donnée, was what? C'était quoi? Do you remember? Vous vous souvenez, n'est-ce pas? He said, as Moses lifted the serpent on the tree. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert. Even so, de même, must the Son of Man be lifted up. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. That whosoever will believe, afin que quiconque croit, will not perish. Ne périsse point.
So the answer of how can a man be born of the Spirit? Alors en fait, la réponse pour savoir comment quelqu'un peut être né de l'Esprit. There is not a clear answer until you point men to the cross. Il n'y a pas une réponse assez claire plus que the lui montrer la croix. The exchange of the old nature. Parce que l'échange de l'ancienne nature. For the new life. Pour la nouvelle vie. Only became possible. N'a été possible. At the cross. Qu'à la croix. But in John 12. Mais en Jean chapitre 12. Jesus spoke a very clear word which I want you to bear in mind as I go away. Jésus a dit quelque chose de très clair que je veux que vous gardiez en esprit en partant d'ici. Are you in John 12 already? Please. Êtes-vous en Jean chapitre 12? Go quickly to John 12. Praise the Lord. Jean chapitre 12. Gloire à Dieu. Are we there? Vous y êtes? I don't want to bother you to read from verse 23-24, which will have been the beginning of that. En fait, l'histoire commence un peu au verset 23, mais je ne veux pas perdre le temps là-dessus. But when Jesus said, "Verily, verily, I say to you, except a corn of wheat fall into the ground and die, it abides alone. But if it die, it bringeth forth much fruit." Au verset 24, quand il dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. In verse 27, he said, "Now is my soul troubled, and what shall I say? Father, save me from this hour, but for this cause came I unto this hour." Et puis il dit au verset 27, maintenant mon âme est troublée. Et que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. So, rather than say, save me from this hour, he said, Father, glorify your name. Donc, au lieu de dire, Père, sauve-moi de cette heure, il dit, Père, glorifie ton nom. And God answered immediately, I have both glorified it and I will glorify it again. Et Dieu répondit immédiatement pour dire, je te glorifie et je te glorifierai encore. Now, go with me now to verse 31. Maintenant, allons-y au verset 21. The reason why we have to preach verset 31. The cross. La raison pour laquelle nous devons prêcher la croix. And we've got to continue to announce it. Et pour continuer d'annoncer cela. We've continued to teach it. Et de continuer d'enseigner cela. It must be made a composite part of the gospel message. Il doit faire une partie prenante du message de l'évangile. A convert ought not to stay in our church for 2 weeks before he has understood the transaction at the cross. Un converti ne devrait pas rester plus de 2 semaines dans l'église avant d'entendre parler de ce qui s'est passé à la croix. The transaction that took place at the cross. La transaction qui a eu lieu à la croix is central. Est centrale to his new life. À sa nouvelle vie. Is central. Elle est centrale unto his journey with God. Dans son voyage avec Dieu. Actually, it is the reference point. En fait, c'est le point de référence. If he is going to draw the graph of his life. Et s'il peut commencer à avoir une projection de sa vie. It must be drawn from that origin. La trajectoire de sa vie se définit à partir de ce point. Let me tell you something. Je voudrais vous dire quelque chose. Some of us came to believe Christ. Certains ont cru en Christ. And for some years. Et pendant des années. Nobody sat us to teach us. Personne ne s'est assis pour nous enseigner. About what Christ did. Sur ce que Christ a fait. We went everywhere. Nous sommes allés partout. I went for prayer upon prayer. Je suis parti, j'ai participé à des prières et à des prières. I fasted and fasted. J'ai jeûné et j'ai jeûné. I prayed and prayed. J'ai vraiment prié et prié toujours. Because those were the emphasis that they gave us. Parce que c'était sur ça qu'on a mis l'accent. To be a Christian. Pour être un chrétien. You must fast twice a week. Tu dois jeûner 2 fois par semaine. So every Wednesday, every Friday, we fasted. Alors chaque mercredi et chaque vendredi, nous jeûnions. To be a Christian. Pour être des chrétiens. To be a Christian. Pour être un chrétien. You don't joke with your prayers. Tu ne dois pas jouer avec ta vie de prière.
You see, it is not that we will not fast. Ce n'est pas qu'on ne va pas jeûner. It is not that we will not pray. Ce n'est pas qu'on ne va pas prier. But the truth of the matter, mais en vérité, is that prayer, c'est que la prière, fasting, et le jeûne, even fellowship, et même la communion fraternelle, is not the basis, n'est pas le fondement of our deliverance. De notre délivrance. Ce n'est pas la base de notre délivrance. Nobody is saved. Personne n'est sauvé. By coming to fellowship. Parce qu'il vient à l'église, à la communion fraternelle. Ah, I'm confusing you now. On dirait que je complique le sujet. Hein? Nobody is saved. Personne n'est sauvé. Because he is praying. Parce qu'il prie. Nobody is saved. Personne n'est sauvé. Because of excessive fasting. À cause d'un excès de jeûne. Non. Non. But that was the kind of thing we were exposed to. Mais vous voyez, ce sont ces sortes de choses là qu'on nous a dit. That was what we would teach anybody who came near us. C'est ce que nous enseignions à tous ceux qui s'approchaient de nous. And I could see many genuine brothers. Et je vois donc des frères vraiment sincères. Going with long faces. Ils vont vraiment avec un long visage. Part of the teaching we were given that time. En ce moment-là, ce qu'on enseignait. Is that holiness has to do with the way you laugh? Ça veut dire, on disait même que la sainteté aussi est décrite par ta façon de rire. That if you laughed with your mouth too broad, bah si tu ris avec la bouche grandement ouverte, you will just lose your sanctification immediately. Tu vas perdre même dans ta sanctification sur le place. Sur so place. How did we laugh in those days? En ce moment, comment on riait? Even if something will have made you to roar, même quand il y a quelque chose qui va te pousser à éclater de rire. You will remember that coarse laughter. Tu vas te rappeler que les éclats de rire will make you to lose your sanctification. Vont te pousser à perdre ta sainteté. So we did like it. Alors donc on serrait les joues et la gorge. We were taught. Parce qu'on a été enseigné. Not to be excited. Pour ne pas se réjouir avec extravagance. Because excitement. Parce que la réjouissance. Is emotional. C'est trop émotionnel. And once you move into the realm of emotion. Et puis, dès que tu te mets dans le domaine des émotions. You lost your sanctification. Tu perds ta sainteté. What brought us to all of this? Mais tout, qu'est-ce qui nous a amené dans toutes ces choses? Something was omitted. Parce que on avait mis quelque chose de côté. What was omitted? Et qu'est-ce qui était omis? The cross. La croix. We were not made to see. Parce qu'on n'avait pas vu the transaction. La transaction that took place. Qui a eu lieu when the man of the Lord of glory was crucified. Lorsque le Seigneur de gloire a été crucifié. And until I saw it. Et tant que je vois, tant que j'ai pas vu cela, I wasn't free. Je n'étais pas encore libre. I was serious. J'étais sérieux, but not free. Mais je n'étais pas libre. I was very zealous. J'étais très zélé, but not free. Mais j'étais pas libre, ni libéré. I was very prayerful. J'ai prié beaucoup, but the issue never finished. Mais le problème n'était pas réglé. Inside the heart is there. Dans le cœur, c'était la mort. But the day I saw Jesus. Mais le jour où j'ai vu Jésus. The day I saw the cross. Le jour où j'ai vu la croix. Oh my God. Oh mon Dieu. Something fell off. Quelque chose est tombé. I jumped up. Je me suis levé. I remember I ran around. Je me souviens que j'ai couru comme ça. I said I'm free. Je suis libéré. And I've been free. Et j'ai été libéré. Brothers and sisters, frères et sœurs, until a man sees the cross, jusqu'à ce que quelqu'un voit la croix, whatever you show him, tout ce que tu lui montres, cannot set him free, ne peut pas le rendre libre. Hallelujah. Amen. So look at Jesus. Regardons donc Jésus. Speaking about the transaction that will take place at the cross. Parlant de la transaction qui allait avoir lieu à la croix. In verse 31. Au verset 31. I want all of you to be careful at that passage. Que tout le monde fasse attention à ce passage. Now. Maintenant. Is the judgment of this world. A lieu le jugement de ce monde. Now. Maintenant. Shall the prince of this world be cast out? Le prince de ce monde sera jeté dehors. And I,
et moi, if I be lifted up from the earth, quand j'aurai été élevé de la terre, what will I do? Que ferai-je? I will draw all men unto me. J'attirerai tous les hommes à and moi. And verse 3 explained, he said, et le verset 33 explique, vous dit, en parlant ainsi, said, il indiquait, signifying, il indiquait, what death he should die. De quelle mort il devait mourir. Now, can I explain quickly because I must go from here? Il faut que j'avance, je vais expliquer cela rapidement. He says, il dit, now, maintenant, is the judgment of this world. A lieu le jugement de ce monde. Let me inform you. Laissez-moi vous dire, the cross, la croix, brought brought judgment. A apporté le jugement on the world system. Sur le système de ce monde. The reason why the world system is contrary and always fights the cross. La raison pour laquelle le système de ce monde est toujours opposé et lutte contre la croix. Because the cross, c'est parce que la croix was the culmination, était le point culminant of the judgment of this world. Du jugement de ce monde. I cannot easily explain to you. Je ne sais pas comment vous expliquer cela très facilement. But I just pray. Mais je prie. Haya. Do you know that when some of us came to experience the cross? Vous savez, lorsque nous avons commencé à expérimenter la croix, it was not only sin that left us. Ce n'est pas seulement le péché qui nous a laissé. The grip of the world system got lost. L'emprise du système de ce monde aussi a perdu. Let me tell you the truth. Je vous dis la vérité. We preach against worldliness for many years. Nous prêchons contre la mondanité durant plusieurs années. We told believers, love not the world. Nous disions aux croyants, n'aime pas le monde. Love not the world. N'aime pas le monde. We explain how they will not love the world. Nous expliquons comment ils ne devaient pas aimer le monde. And we had to use all kind of legalism. Et on a utilisé toutes sortes de légalisme. For them to hate the world. Pour qu'ils puissent haïr le but monde. Let me tell you. Mais je voudrais vous dire. Until the cross, jusqu'à ce que la croix deals with a man, s'occupe des problèmes de quelqu'un, deals with the world that is in him, traite avec le monde qui est en lui, you cannot get him never to love what tu is ne pourras in jamais him. Arriver à le pousser à haïr ce qui est en lui. Hey, you are not getting me. Est-ce que vous me suivez? Eh? Unless the cross, tant que la croix deals with the world that is in man. Ne traite pas avec le problème du monde qui est en quelqu'un. No amount of preaching. Ce n'est pas la prédication. Could make a man not to love the world. Qui pourra pousser quelqu'un à ne pas aimer le monde. Let me tell you the truth is this. Ça c'est la vérité, je vous dis. Until we came to the cross. Jusqu'à ce que nous allions à la croix. Even though we were people that were taught never to love the world. Quoi que nous étions des gens qui ont enseigné, qui ont compris l'enseignement de ne pas aimer le monde. We secretly loved the world in our heart. Mais nous désirions le monde secrètement dans le cœur. We secretly envied the world. Nous envions secrètement le monde. Oh my God, are we together? Est-ce que vous me suivez? We secretly cherished the world. Secrètement, nous aimions le monde. You know, in those days. Vous savez, dans ces temps-là. We regard it as worldliness. Nous voyons cela comme la mondanité. To ride Mercedes Benz. On voyait que le fait d'avoir une Mercedes Benz c'était mondain. Even when we had money. Même quand nous avons de l'argent. And you want to buy a car. Et que tu veux acheter une voiture. So as to prove that you don't love the world. Pour montrer que tu n'aimes pas le monde. What is the recommended car for those of us who do not love the world? De conseiller? Eh? Volkswagen. La Volkswagen. De chez vous. Beetle. Deux chevaux, les deux chevaux. Drop, make I drop. we were made to believe. On nous a fait croire that when we do that, que en faisant ainsi, we don't love the world. On montre qu'on n'aime pas le monde. But you see, whenever somebody is driving his Mercedes car by our side, mais toutes les fois que quelqu'un passe à sa Mercedes à côté, and you see him, et tu le vois te dépasser, if not that I'm a Christian, c'était pas parce que je suis. Ce n'est pas parce que je suis chrétien, je suis pasteur. Well, when I get to heaven, I know who I will see. I will see my loving Jesus. I will shout hallelujah.
Why are you singing that? Arrivé là, tu commences à chanter. Because a Mercedes car is just driving by your side. Pourquoi tu chantes ces chants? C'est parce que une Mercedes est passée. We secretly love the world. Et secrètement nous désirions le monde. We secretly cherish the world. Nous aimions le monde. We will secretly look for the dressing. Nous allons en secret chercher l'habillement. We will be looking for opportunity to wear it. Nous allons chercher des occasions pour porter ces habits là. But if we see the brethren come, mais lorsque tu vois les frères qui apparaissent, for them not to say we love the world. Pour ne pas qu'ils disent mais le frère là avec moi ça fait le monde. What do we do quickly? We quickly removed it. On enlève cet habit là rapidement. And appear normal. Et tu commences à apparaître normal. But when there are no more there, mais quand tu n'es pas dans ce milieu, we took our dress. Tu prends ton habit. Why was it a struggle? Pourquoi est-ce que c'était une lutte permanente? The world, parce que le monde has not been judged, n'avait pas été jugé in your heart, dans ton cœur. And the only thing, et la seule chose that brings the world qui amène judgment, le monde au jugement. Do you see, as I'm standing before vous savez, you now, pendant que je suis là debout devant vous, the world, le monde is already condemned, est condamné déjà in my eyes, à mes yeux. When I see the world, quand je vois le monde, I see a condemned non-entity. Je vois déjà quelqu'un qui est condamné. I look at the world, je vois le monde, and I query what is the wisdom in the world. Et je me demande quelle est la sagesse qui est dans le monde. And I'm doing it joyfully. Et je le fais vraiment joyeusement. And I'm doing it freely. Et je le fais librement. Because the world, parce que le monde, has lost its hold on me. A perdu son emprise sur moi. I don't see anything like promotion. Je ne vois aucune promotion with the things of the world. Avec les choses du monde. You don't congratulate me. I say, Abraham, we thank God that you are making it now. Tu ne peux pas venir me féliciter pour dire ah c'est bien, tu es en train de réussir. Maybe maintenant. Because I'm riding another car. Peut-être parce que tu me vas conduire une autre voiture. No. The world has lost its hold on me. Le monde a perdu son emprise sur moi. All vehicles are vehicles. Pour moi, tous les véhicules sont des véhicules. Whether motorcycle, que ce soit une moto, or a big jeep, ou bien une 4x4, or drop make I drop, ou bien vous voyez non? You know that. All of that has nothing to do with who I am now. Tout cela ne détermine pas qui je suis quoi. My value is no longer in the world's definition. Ma valeur ne dépend pas de la définition de ce monde. But the only thing that makes that to happen, mais tout ce qui fait que ces choses arrivent, is not a systematic teaching. Ce n'est pas un enseignement systématique. It is not that we sat down and we follow some codes of conduct. Ce n'est pas parce que nous sommes assis pour suivre des cours. Do you know what happened? Tu savais ce qui s'est passé? The cross. À la croix. Came and crushed the world. La croix est venue écraser le monde. And crucified me to the world. Et j'ai été crucifié au monde. And the world was crucified. Et le to monde me. Aussi a été crucifié and à moi. And between me and the world. Et entre moi et le monde. Death has occurred. La mort a eu lieu. Now you cannot produce a believer. Vous ne pouvez pas produire un croyant who is free, qui est libre from the world system. Du système de ce monde. Who walks in the world, mais qui marche dans le monde, and is not of the world, et il n'est pas de ce monde. Who touches the world, qui touche le monde, and the world cannot touch him, et que le monde ne peut pas le toucher. The only way to do it, la seule façon de le faire, is to bring that man to the cross. C'est d'amener cet homme, cette personne à la croix. Are you hearing me? Est-ce que vous me suivez? You know why I'm dealing with this? Vous savez pourquoi je traite cela? It's because. C'est parce que. Even the evidences of Christian life that many of us used to talk about. Même les évidences de la vie chrétienne dont tout le monde parle. The things that we used to measure. Les choses. As the measure of a serious Christian. Les choses qui nous montrent, qui nous donnent des signes que nous avons affaire à un chrétien qui est they sérieux. They are not real. En réalité, ce ne sont pas des évidences if réelles. If he did not come out of the cross. Tant que cela ne provient pas d'une expérience de la croix. They will only be relative holiness. Ce sera seulement une sainteté relative. That changes with environment. Qui s'adapte à l'environnement. That changes with people. Qui s'adapte selon le it moves from this place. Lieu. When they are not doing like that.
changes. Il va dans un endroit, si on ne fait pas ça, il change. Because it did not come from the cross. Parce que c'est une expérience qui ne provient pas de la Friends, croix. Mes amis, it is at the cross. C'est à la croix that judgment que le jugement came on the world. Est venu sur le monde. It was at the cross. C'est à la croix that the power of the world system que la puissance du système de ce monde was confiscated. A été confisqué. Well, yeah, thank you. It was at the cross. C'est à la croix that the hold of the world system que l'emprise du système de ce monde was broken. A été brisée. And when Jesus said, et quand Jésus dit, now, maintenant, is the judgment of this world, a lieu le jugement de ce monde, and now, et maintenant, shall the prince of this world be le cast out. Prince de ce monde sera jeté dehors. That's the next thing that happened in that transaction. C'est en fait la chose suivante qui s'est passée dans cette transaction. At the cross, frère, mes amis, à la croix, the prince of this world, le prince de ce monde, was dethroned. A été détrôné. Alléluia. Oh God. But I'm trusting God. Mais je confiance en Dieu. That this move of the Spirit, que ce mouvement de l'esprit, that God is bringing us into, dans lequel Dieu nous amène, when he's saying this gospel must be preached, il dit cet évangile doit être prêché. Let me tell you, it will produce people. Laissez-moi vous dire que ça va produire des gens. What kind of people will it produce? Quelle sorte de personnes ça va produire? People who by nature no longer love the world. Des gens qui par nature n'aiment plus le monde. People that are dead to the world. Des gens qui sont morts au monde. People to whom the world is also dead. Des gens pour lesquels le monde est aussi mort. Hallelujah. Amen. People. Des gens who by virtue of what has happened. À cause de ce qui s'est passé. They are living dead men. Vivent comme des morts. Des morts vivants. Aha. I know you are looking for how to put it. It's all right. These are dead men. Voici des gens qui sont morts. Dead to everything else. Ils sont morts à toute autre chose. But living for God. Mais ils vivent pour Dieu. So when they go to business. Alors quand ils vont dans les affaires. Business don't affect them. Les affaires ne les influencent pas. They are living for a higher purpose. Ils vivent pour un but plus élevé que les affaires. Then they can turn the world upside down. C'est à ce moment-là qu'ils auront la capacité de bouleverser le monde. This gospel. Cet évangile-là. The kind of New Testament believers it produced before. Cette qualité de croyants dans le Nouveau Testament qu'ils produisaient. Will be produced again. Seront reproduits encore à nouveau. Are we together? Amen. Yes. We are entering to that. C'est dans now. Cela que nous entrons maintenant. And I want you to mark it. Et notez-le. I know that this is a commission. Je sais que ça c'est un mandat, c'est une commission. That God que is, Dieu is putting on our lives. Est en train de mettre sur nos vies. And this gospel of et the kingdom cet évangile du royaume shall be preached. Sera prêché in all the nations dans toutes les nations for a witness. Pour servir de témoignage. Now, he said, et puis maintenant il dit, now, maintenant, shall the prince of this world be cast out. Le prince de ce monde sera jeté dehors. And then look at the next thing that happened at the cross. Et regardez donc la chose suivante qui se passe à la croix. What is the first thing in that verse 31? Quel est le premier point dans ce verset 31? The world is judged. Le monde est jugé. Are we there? Number two. Deuxièmement, the prince of this world, le prince de ce monde, is deposed, est déjà déposé, is cast out, il est jeté dehors. Now look at number three. Regardez le troisième he point. Said, and I, il dit, et moi, if I be lifted up, quand je serai élevé, from the earth, de la terre, I will draw j'attirerai all tout le monde, tous les Let hommes, me tell you, à moi. The cross, à la croix, provides a magnetic pool. Ok, la croix est comme un instrument magnétique. Thank you. It withdraw men. Il va attirer les gens. Whereas what several of you are thinking. Là où plusieurs pensent que that what withdraw men. Ce qui va attirer les gens. You always think that what withdraw men. Vous pensez que ce qui va attirer les gens will be some signs. Ce sera les signes, les miracles. Will be some super
superfluous activities. Bon, ce sont des activités superficielles. Some of you think entertainment will draw men. Il y en a qui pensent que le divertissement va attirer les gens. So instead of preaching the cross, au lieu de prêcher donc la croix, you emphasize entertainment. Vous insistez sur le divertissement dans vos cultes. You bring even children that are dancing all kind of dance nowadays. Ouais, on envoie des gens à l'église pour faire le ballet, pour faire la, comment on appelle ça, tous les. You advertise them. Bon, on fait la publicité. He said somebody will perform. On dit voici quelqu'un qui va venir faire quelque chose. And you think that that will draw men? Vous pensez que ça va attirer les gens? Let me tell you. Laissez-moi vous dire. The authentic magnet. Ce qui est magnétique. That draws me. Qui attire les gens? To God. Ce qui est l'aimant plutôt qui attire les gens, oui. Is the cross. C'est la croix. Watch it. Observez, vous allez voir. Watch what I'm talking to you about. Notez ce que je suis en train de vous dire. You will see an explosion. Vous allez voir une explosion. What will surprise you in the next few years? Ce qui va vous surprendre dans les années à venir. Is the way you will see people. C'est comment vous allez voir les gens. Drawing to the Lord. Commencer à courir pour venir au Seigneur. Coming with serious conviction. Venant sous une conviction très sérieuse. Crying to identify with the Lord. Pleurant pour s'identifier au Seigneur. And you will be saying, what is it that is drawing them? Et vous allez vous demander, mais qu'est-ce qui les attire? What are they preaching that is bringing them? C'est quelle prédication qui est capable de produire un tel état? The cross. C'est la croix. Has a magnetic pull. La croix a une force magnétique to draw men pour attirer les hommes à Dieu. I resolved. Et j'ai décidé. I have resolved. J'ai décidé that we will not use any cosmetic. De ne pas utiliser quelque chose de cosmétique. We will not engage. On ne va pas s'engager. Any of these frivolous things. Toutes ces choses frivoles. As if it will grow the crowd. Comme si ça va faire grandir la foule. We will stay preaching Christ. Nous allons rester fidèles à la prédication de Christ. And him crucified. Et de Christ crucifié. Hallelujah. Amen. Are you hearing me? And can I tell you the truth? Et je voudrais vous dire la vérité. Not only you will come. C'est pas seulement vous qui allez venir. Those that you thought will never come, ceux will come. Que vous pensez qu'ils ne vont jamais venir ici. Listen to me. Suivez-moi. When they have gone round, quand ils auront fait tout le tour, and they have not found what they thought they would get, et qu'ils n'ont pas trouvé ce qu'ils recherchaient, they will look unto him. Ils vont regarder vers lui, and they will be saved. Et ils seront sauvés. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Now before I stop on this. Avant de finir sur ce point, I now want you to let's conclude. Je voudrais que nous puissions conclure avec Paul speaking about this matter in Colossians. Paul qui parle de ce sujet dans la lettre aux Colossiens. Please go all of you to Colossians chapter 1. Allons-y tous ensemble en Colossiens chapitre 1 from verse 19. Donc je commence à partir du verset 19. He has been talking about Jesus. Il parle de Jésus. In whom we have redemption. En qui nous avons la rédemption. So verse 19. Et maintenant verset 19. For it pleased the Father that in him should all fullness dwell. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Let's agree together on that before we go. Maintenant soyons d'accord sur ce point avant d'avancer. Baba has agreed, a décidé that in Jesus Christ, qu'en Jésus Christ, should how many things dwell? Puisse habiter quoi? Combien de choses? All fullness. Toute la plénitude. Let me say. Je voudrais dire. When we confront men with Jesus, lorsque nous confrontons les gens avec Jésus, we are not being greedy. Nous ne sommes pas avides. And we are not intolerant. Et ce n'est pas aussi que nous sommes intolérants. Don't accept all such useless blackmail. Il ne faut pas subir ce chantage là. And you are not invading anybody's private space. Et tu n'es pas aussi en train d'envahir l'espace privé, la vie privée de quelqu'un.
The truth of the matter is this. En fait, la vérité c'est que that all men, tous les hommes, were created by him, ont été créés par lui, and for him, et pour lui. If we confront a man with the claim of Jesus Christ, et si nous confrontons quelqu'un avec l'exigence de Jésus, let me tell you that we are not in any way, laissez-moi vous dire que d'aucune façon, taking over his private space. Nous ne sommes pas en train d'empiéter sur sa vie privée. We are only telling him, on est simplement en train de lui dire la vérité. That for the purpose for which you are created, que le but pour lequel tu as été créé, and for the person for whom you are created, et le but pour lequel tu as, la personne pour laquelle tu as été créé, you are yet to find your bearing. Tu dois toujours trouver ton point de référence. Any man that has not come to Jesus Christ, quiconque n'est pas venu à Jésus-Christ, has already missed the reason why he was born. Est déjà passé à côté du but pour lequel il est né. And he is already being hijacked for a useless venture. Et ça veut dire qu'il est déjà, il a été déjà récupéré pour une aventure inutile. Please hear me, I'm not degrading you. Je ne suis pas en train de vous dénigrer. I'm just telling you the truth. Je dis simplement la vérité. That the Father, it pleased the Father. Ce qu'il a plu au Père. That in Jesus. Qu'en Jésus. All fullness should dwell. Puisse demeurer et habiter toute la plénitude. When we talk of Jesus, quand nous parlons de Jésus, he is not in the class of prophets. Il n'est pas dans la catégorie des prophètes. All prophets were made by him. Tous les prophètes ont été créés par lui. Are you hearing me? Est-ce que vous suivez? Do you know the Bible says? Vous savez que la Bible dit, among all the prophets, parmi tous les prophètes, born of a woman, né d'une femme, there was none as great as John the Baptist. Il n'y en a pas eu qui soit aussi grand que Jean-Baptiste. Isn't it? N'est-ce pas? But now, John the Baptist said, mais Jean-Baptiste lui-même dit, for Jesus, pour Jésus, even the latchet of his shoe, même les lacets de sa chaussure, he was not even qualified to untie. Il n'était même pas qualifié apte à les détacher. John the Baptist said, Jean-Baptiste a dit, of his own fullness, de sa plénitude, we all, que nous tous, which means all prophets, ça veut dire que tous les prophètes, have received, ont reçu, grace upon grace, grâce pour grâce. Whatever you are knowing about Isaiah, tout ce que vous connaissez concernant Isaïe, it was a subset of Jesus. En fait, c'était un extrait de Jésus. Whatever Jeremiah is, tout ce que Jérémie est, they collected it out of his fullness. Il a reçu de cela de la plénitude de Jésus. Even Moses. Et même Moïse. Everything Moses knew. Tout ce que Moïse connaissait. You know, some people came to Jesus and said, Moses gave us bread in the wilderness. Des gens sont venus dire à Jésus, Moïse nous a nourri dans le désert. They were talking ignorantly. Ils parlaient par l'ignorance. What did Jesus tell them? Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Jesus said, Jésus a dit, it was not Moses, ce n'était pas Moïse, that gave you the bread, qui vous a donné le pain. We actually gave you the en fait, bread. C'est nous, en fait, on vous a nourri au désert. Oui, oui, c'est nous là. We only made Moses to carry it. On a fait simplement, on a donné à Moïse seulement la tâche de conduire. But even that bread, but même ce pain là, your fathers ate that bread. Vos pères ont mangé ce pain, and they died. Mais ils sont morts. Verily, verily, I say to en you, en vérité, je vous le dis, I am the bread. Je suis le pain that came from heaven. Qui est venu du ciel. I am the bread of life. Je suis le pain de vie. I am the living bread. Je suis le pain de vie. Whosoever eats this bread, celui qui mange de ce pain là, shall have life in aura himself. La vie en lui. Friends, mes amis, when we present the gospel, lorsque nous présentons l'évangile, we must present the gospel. Nous devons présenter l'évangile, because when it is time, parce que quand le temps viendra, we will read one Bible verse. Nous allons lire un verset biblique that gives you an immediate summary of the gospel. Qui donne un résumé de tout l'évangile. But I don't think we can get to that now. Mais je ne pense pas que nous pouvons y arriver maintenant. It pleased the Father. Il a plu au Père. That in him, qu'en lui, should all fullness habite toute la plénitude. What does that mean? Qu'est-ce que cela veut dire? Nothing, rien, is outside Jesus. Est en dehors de Jésus. All fullness, toute plénitude,
is in Jesus. Se trouve en Jésus. Did you understand that now? Est-ce que vous saisissez cela? Everything, toute chose, is in Jesus. Est en Jésus. And nothing, et rien, is outside him. Se trouve en dehors de lui. When you have not come to Jesus, lorsque vous n'êtes pas venu à Jésus, friends, mes amis, you may be educated, vous pouvez être éduqué, you may be very very pretty, peut-être vous pouvez être très 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 joli, you may look nice on the outside, vous pouvez être bien en apparence. If I were to frankly speak with you, et si je devais vous dire honnêtement, and I do so with the greatest respect I can make for you, et je le dis avec tout le respect que j'ai pour vous. But I must say it clearly. Je dois le dire clairement. There is nothing about you. Il n'y a rien vous concernant. There's nothing in your hand. Et il n'y a, vous n'avez rien en main. What you thought you carry, tout ce que vous pensez avoir, is nothing. N'est rien. If you live a little longer, si vous vivez un peu plus longtemps, you will prove the nothingness of what is exciting you today. Vous allez voir la vanité de ce qui vous réjouit aujourd'hui. Why? Pourquoi? It pleased the Father, il a plu au Père, that in him, de faire habiter en lui, should all fullness dwell, toute la plénitude. But now, this is where the gospel comes. Et c'est de là que vient maintenant l'évangile. Verse 20. Verset 20. And having made peace through the blood of his cross, by him, to reconcile all things to himself, by him I say, whether they be things in earth or things in heaven. And you that were sometime alienated and enemies in your mind by wicked works, verset 21 maintenant, yet now has he reconciled in the body of his flesh through death, to present you holy and unblameable and unreprovable, verse 72, hein? In his sight. What is that? What are we saying? Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? What are we saying? Qu'est-ce que nous disons? Having made peace, ayant fait la paix, through the blood of his cross, par le sang de sa croix. When he was being crucified, quand il a été crucifié, blood, le sang, was gushing out from that cross. Était en train de jaillir de la croix. What was that blood supposed to do? Qu'est-ce que le sang là était supposé accomplir et faire? It was to make peace. C'était pour faire la paix. It is to make peace between us and God. C'était pour faire la paix entre nous et Dieu. A man cannot have peace with God. Un homme ne peut pas être en paix avec Dieu until he has come to the cross. S'il n'est pas arrivé ou allé à la croix. Please let me tell you the truth. Je vous dis donc la vérité. You know, having been a preacher for a long time, ayant été prédicateur pendant de longues années, I have started wondering. J'ai commencé à me poser des questions. When does a man have peace? À quel moment un homme a la paix? With God. Avec Dieu. You know, and I'm confessing to you. Et je le confesse. As a preacher, en tant que prédicateur, sometimes, quelquefois, we rejoice. Nous nous réjouissons. When people are convicted to tears, lorsque les gens sont touchés, convaincus, ils sont en larmes. When they are weeping, lorsqu'ils se mettent à pleurer, and they soak their dress, et ils sont trempés dans leurs habits. I remember one meeting I went. I was so overwhelmed with the power of je God. Je me souviens d'une rencontre où j'étais vraiment dépassé par la présence de Dieu. There were these ladies that were in the meeting. Il y avait ces dames là dans la réunion. They sat in front. Elles étaient assises devant. With all kind of makeup. Avec toutes sortes de maquillage. And they sat elegantly. Elles étaient assises élégamment. You can see that actually they came to show. En fait, on peut voir qu'elles étaient venues pour se faire voir. And you know, they painted. They et vous voyez, avec, it's okay.
avec toutes les frises, les aquariums sur le visage. Before I knew the power of Jesus, avant que je me rende compte la puissance de Jésus. Any woman sat like that in my presence, I want to preach. Et si une femme s'assoit comme ça dans ma présence quand je veux prêcher, the message will change. Le message change. I will pull out one passage from Isaiah. Avant, je commençais à faire sortir des passages d'Isaïe. About those with long necks, avec ces femmes qui ont le long cou, whose eyes is like that of cockroaches, dont les yeux sont comme pour les crocodiles. We were trained to abuse people instead of preaching the gospel. On était enseigné à mal parler aux gens au lieu de prêcher l'évangile. We thought we were preaching the gospel. Nous pensions que nous prêchions l'évangile. We specialized in abusing people. En fait, on était spécialisé à injurier les gens. But when I came to know, mais quand je me suis rendu compte that the power of the gospel, que la puissance de l'évangile, is the power that changes men, est la seule puissance qui change les gens. You can even ignore how they dress. Tu peux même ignorer leur habillement. Give them the gospel. Donne-leur l'évangile. The gospel will bring the change. Et l'évangile va apporter la transformation. As the word of God was going, et tandis que la parole de Dieu venait, I care not how they dress. Je ne me suis même pas occupé de leurs vêtements. But when the word of God began to heal, mais quand la parole de Dieu a commencé à cogner, oh, I saw something different. Oh, j'ai vu quelque chose de différent. Tears was coming down uncontrollably. Les larmes coulaient. Sans contrôle, and you know, sans arrêt. You have rubbed the pomade, et vous savez, quand on a eu beaucoup de maquillage sur un visage, kind of powder, avec cette sorte de when poudre, tears now drew gullies, et quand les larmes font comme des rigoles, you know, over everywhere, partout, sur tout le visage, the only thing to do, la seule chose à faire, was to quickly go and look for water, c'est d'aller chercher de l'eau to wash everywhere, pour laver, like enlever tout ce qui était comme maquillage. I saw that day. Moi, j'ai vu donc ce jour-là. What the word of God can do. Ce que la parole de Dieu peut faire. These ladies immediately. Ces dames-là, sur place, immédiatement. Disappear. Elles ont disparu. I thought they were annoyed. Je pensais qu'elles étaient fâchées. They went and dressed differently. Elles sont parties immédiatement se changer. They came back. Elles sont revenues. I said, what happened? J'ai dit, madame, qu'est-ce qui s'est passé? He said, God has dealt with them. Et bien, le Seigneur nous a vraiment touchés, il a traité avec that nous. Their heart has broken. Est-ce que leur cœur a été touché? I said, is that why you went and remove your dress? Il dit, mais c'est pour cela que vous êtes allé vous changer? He said, no. Elle dit, non. That kind of dress, nobody can wear it before God. Il dit, elles ont dit que cette sorte d'habillement, la personne ne peut porter ça dignement devant but Dieu. Now I want to tell you mais something. Je voudrais vous dire maintenant. Tears. Les larmes. Could be a good accompaniment of a powerful preaching. Mais peuvent être une bonne réaction à un message bien prêché. But it was not tears. Mais ce n'est pas les larmes that make our peace. Qui nous donne la paix. Are you hearing me? It was not our tears. Ce ne sont pas nos larmes that could make our peace. Qui peuvent faire la paix, qui peuvent nous faire la paix. What made our peace? Qu'est-ce qui a fait notre paix? The blood of his cross. C'est le sang de sa croix. It was the blood. C'était le sang that makes peace. Qui a fait la paix between the offender and God. L'offenseur et Dieu. So that's why. C'est pourquoi. You know, I have company with different denominations. Vous savez, je suis en relation avec plusieurs dénominations. And one of the denominations that I company with a little. Et une des dénominations avec laquelle je marchais un peu. I must never mention their names. Je ne vais pas mentionner leur nom. You don't go and accuse them. Vous ne pas aller les accuser pour moi. But you cannot be saved just like that. Mais on ne peut pas être sauvé tout juste comme ça. You have to pray through. Tu dois vraiment prier. And it has to be with tears. Et tu dois pleurer. So whenever you finish preaching, quand tu finis de prêcher, you will see people they will rush out. Tu vas voir les gens qui viennent à l'hôtel to cry ou pleurer. Some became professional weepers. Il y en a qui sont devenus des pleureurs professionnels. I don't know where they normally get tears. Je ne sais pas comment ils arrivent à produire les larmes. They will weep uncontrollably. Ils vont commencer à pleurer sans se contrôler. Because parce que they have confidence that God will have mercy on them. Parce qu'ils ont l'assurance que Dieu aura pitié d'eux.
was on their tears. Parce que ils ont coulé des larmes. And how long you can weep. Et la, le temps que tu peux passer à pleurer détermine la miséricorde de Dieu. So one day I was ministering to one of their members. Alors un jour j'étais donc là en train de d'avoir un temps avec un de leurs membres. Who came into my room one day? Qui est venu un jour dans ma chambre. And as I spoke, et dès que je me suis mis à parler, and I brought him to the cross, et je l'ai amené à la croix, and I began to say, et j'ai commencé à dire, Jesus paid it all. Jésus a tout payé. Oh, to him I owe. Et c'est à lui je dois tout. I saw a violent conversion that j'ai vu une conversion violente ce jour-là. Brothers and sisters, I want to tell you, je voudrais vous dire, frères et sœurs, I have seen conversions. J'ai vraiment expérimenté des conversions. God has allowed me to see, Dieu m'a permis de voir what the cross can do, ce que la croix peut accomplir in changing people, dans la transformation des gens. This brother, ce frère-là, suddenly, tout à coup, came under this conviction of the power of Jesus. Est venu sous la conviction de la puissance de Jésus. And that moment, et à ce moment précis, he said, il a dit, so my sins were washed away. Donc mes péchés ont été lavés. My load was gone. Et mon fardeau est parti. And I have never seen this. Et je n'avais jamais vu cela. And then he shouted. Et il a crié. Then he cried. Et il a pleuré. Then he prayed. Et il a prié. Then he began to sing. Et il a commencé à chanter. I've never seen anybody gloriously transformed like Mais je that. N'ai pas vu quelqu'un transformé de façon glorieuse comme ça. From that moment, dès cet instant, I've seen a man that became zealous. J'ai vu quelqu'un qui est devenu zélé. He always has a song in his mouth. Il a toujours un chant dans la bouche. He will follow me to the village to go and preach. Il me suit dans les villages pour aller prêcher. Very excited, bro. Très 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 content. I made a mistake. J'ai fait l'erreur. What was my mistake? Quelle était mon erreur? I allowed him to go to his church. J'ai permis qu'il retourne dans son église. Where they must pray through. Là où il doit tout faire pour percer. And you know, he was bubbling. Je pensais qu'il I'm voulait so vraiment. Glad I belong to Jesus. Il était heureux, il chantait. Je suis heureux, j'appartiens à Jésus. When he got to the church. Quand il est arrivé à l'église. As he wanted to enter. Et pourtant, quand il a voulu entrer. One of the elders met him. Un des anciens dit. Why are you so excited? Mais pourquoi tu es content comme ça? Have you prayed through? Est-ce que tu as prié jusqu'à avoir la victoire? Are you saved? Est-ce que tu es sauvé? Where are your tears? Où sont tes larmes? The brother said, Jesus paid it all. Et le frère dit, c'est Jésus a hérésie, payé. Hérésie. Il dit non, ça c'est une hérésie. C'est une hérésie. You are confused. Tu as perdu la tête quelque part. Un bouton a sauté. These people that make salvation so cheap. Ceux qui ont rendu le salut très léger, très simple comme ça. They will damage your soul. Ils vont détruire ton âme. You think it's as easy like as that? Tu penses que c'est facile comme ça pour dire tu es sauvé? People like us. Des gens comme nous là. We have been weeping at the altar for the past 2 years. Depuis 2 ans, on est en train de pleurer. Waiting for the mercy of pour God. Attendre la miséricorde de Dieu qu'elle se manifeste. One bloody man preached to you. Et quelqu'un vient t'annoncer un message. And you say you are saved. Et tu dis tu es sauvé. Have you prayed through? Est-ce que tu as prié jusqu'à avoir? Have you saved? Tu es vraiment sauvé? By the time that brother came back, et au moment où le frère là revenait vers moi, he was thoroughly damaged. Il était complètement abattu, détruit. He said, "But I know what has happened to me." Mais il dit, je sais ce qui m'est arrivé. I know I saw Jesus. Je sais que j'ai vu Jésus. He took away my sin. Il a ôté mes péchés. But the elders said, mais les anciens disent, it couldn't be as easy as that. Que ça ne peut pas être aussi facile que cela. It can't be as genuine. Ça ne peut pas être aussi facile que cela. Oh my God. It really pained me. Ah, ça m'a vraiment fait mal. Because you see, in the midst of that experience, parce que vous savez, au milieu de cette expérience, at
think the following day, je pense que le jour suivant, I ministered to him. Je prie avec lui, je l'ai parlé. With the Holy Ghost. Le service, il a été rempli du Saint-Esprit. But when he went to that place, et quand il est parti en ce lieu-là, they said, we also learned that you are speaking in tongues. Il a dit, ah, on a aussi appris que tu parles en langue. Hein? Do you know the steps? Est-ce que tu connais les étapes qu'il faut franchir? Salvation, le salut, sanctification, la sainteté, la sanctification, endowment, et le revêtement. You know, it looks so powerful. Vous voyez, ça semble tellement puissant, cette méthode. But it has omitted the cross. Mais en fait, ça met de côté la croix. What is it that will give people peace? Qu'est-ce qui va donner la paix aux gens? It's not their tears. Ce n'est pas leurs larmes. Even though they may weep, quoi qu'ils puissent pleurer, we don't say because you wept. Tu n'es pas sauvé parce que tu pleures. God has forgiven you. Dieu t'a pardonné. Tears. Les larmes. No matter how hot you shed it. La chaleur des larmes. It is not capable. Ces larmes ne sont pas capables of taking away d'ôter the smallest stain of sin. La plus petite tache de péché. Only the blood. Il n'y a que le sang de la croix. Are you hearing me? Est-ce que vous m'entendez? What can wash away my sin? Nothing but the blood rien. Of Jesus. Rien que le sang de what Jésus. Can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know, nothing but the blood of Jesus. Now, if we do not present the cross, et si nous ne présentons pas la croix, we are likely to present peripheral issues. Nous serons tentés de présenter des choses périphériques that does not save. Qui ne peuvent pas sauver. Giving does not save. Et vous voyez, les acrobaties ne peuvent pas sauver. Excuse me, are you hearing me? Si vous me suivez? Never you tell anybody. Ne dis jamais à quelqu'un that if you really want God to be happy with you. Si tu veux que Dieu soit vraiment content avec toi. Give. Donne. The gift of God. Le don de Dieu can never be bought. Ne peut pas être racheté. With silver or gold. Par de l'argent ou par de l'or. Never you make a mistake. Ne te trompe pas of thinking that redemption. De penser que le rachat can take place peut avoir lieu by paying a sum of money. Par le fait de payer une somme d'argent. Maybe over your son or over your mother. Que ce soit pour ton fils ou pour ta mère. Non. That we know. Nous savons we were not redeemed que nous n'avons pas été rachetés of corruptible things par les choses périssables telles que l'or et l'argent. How are we redeemed? Comment avons-nous été rachetés? By the par precious le sang précieux de l'agneau. Hallelujah. Amen. Unless we preach the cross, tant que nous ne prêchons pas la croix, we will not allow people to touch the blood. Nous n'allons pas permettre aux gens de toucher au sang. The blood that provides the efficacy for all sins. Le sang qui pourvoit l'efficacité de régler tout péché. And you know, sometimes you are preaching. Et quelquefois vous prêchez. And you give people impression. Et vous donnez l'impression aux gens. That if they support the work of God. Que s'ils soutiennent l'œuvre de Dieu, they are saved. Ils seront sauvés. You give them impression. Vous leur donnez l'impression. That if they give. Que s'ils donnent. That's the reason why. C'est pourquoi on est crusade. Dans les croisades d'évangélisation, là où les gens ont encore besoin de salut, you have boldness to collect their offerings. Vous avez le courage de récolter des offrandes. Why do you bring such contamination? Pourquoi est-ce que vous envoyez cette souillure? Why do you give them a sense? Pourquoi vous leur donnez le sens? That the more they give, que tant, quand ils donnent, the more God is obligated to forgive them. Plus ils donnent, plus Dieu sera obligé de leur de pardonner. All of these are the aberrations that tout have been brought to the gospel. Les aberrations qui ont dénigré l'évangile.
A man came under conviction one day. Un jour, quelqu'un était sous conviction of the word of God. De la parole de Dieu. And he was shivering like. Et il tremblait sur lui. He ran to my office. Il a couru dans mon bureau. And he said, "Sir." Et il dit, monsieur. Hey, I have made a mistake. J'ai fait une erreur. I think God will kill me. Je sais que Dieu va me donner si je ne me repens pas maintenant. So, and he ran to my office. Et il a couru dans mon bureau. As big as he was. Et il était vraiment quelqu'un de grand énorme. Il s'est mis à genoux. And I prayed for him. Et j'ai prié pour lui. But then I made a mistake. Et là, j'ai fait une erreur. I have made mistakes. Oh, ouais, j'ai fait des erreurs dans la vie. Which I beg God never to make. Et je prie Dieu de ne pas commettre encore ces erreurs là. When we finish praying. Lorsqu'on a fini de prier. As if what hooked his conscience. C'est comme si ce qui a touché sa conscience was getting released. Ça, il a commencé à être libéré un peu de ce fardeau. He brought out his wallet. Alors donc il a fait sortir son porte-monnaie. And he dropped 200 naira on the table. Et il a déposé 200 naira sur la table. I said, for what? Et je lui ai demandé pourquoi. He said, that is his appreciation to God. Et il dit ça, c'est une façon d'apprécier Dieu. And I wasn't wise. Et je n'ai pas été sage. I allowed 200 naira on my table. Et j'ai permis que 200 naira sur ma table. And the man left. Et le monsieur est parti. By the time I was now trying to follow him up. Et pendant que je cherchais maintenant à le suivre. Oh, my eyes could see terrible things. Oh, mes yeux commençaient à voir des choses. I hated the 200. J'ai commencé à haïr ces 200 naira. I hated myself for allowing him to drop 200 on my table. J'ai commencé à me haïr d'avoir accepté qu'il dépose 200 naira sur ma table. You know what I saw? Vous savez ce que j'ai vu? He thought. Il a pensé. Since he had given God 200. Puisqu'il a donné 200 naira à Dieu. He was now free. Il était déjà libéré de la condamnation. When I now went to meet him and said, ah. Je suis parti le voir, je lui ai dit. I didn't see you again for Bible study. Mais je ne te vois plus pour les études bibliques. He said, do I need to come to any Bible study? Il dit, mais est-ce que j'ai besoin d'aller aux études bibliques encore? I thought I settled it that day. J'ai pensé que j'ai déjà réglé ça avec Dieu. How many souls have escaped? Combien d'âmes ont échappé? Because we gave them an impression. Parce que nous leur donnons l'impression that they are offering. Que leur offrande is sufficient. Est suffisante as their redemption token. Comme un signe de leur rédemption. These are aberrations that have been brought to the gospel. Ce sont les aberrations qui ont terni l'évangile. Salvation is the gift of God. Le salut c'est un don de Dieu. Lest any man should boast. Afin que personne ne se glorifie. Rich people could not buy their salvation. Les riches ne peuvent pas acquérir leur salut. And nobody is too poor to be saved. Et personne n'est assez pauvre pour être sauvé. Because he said, come. Parce qu'il est dit, venez. Buy. Venez. Without money. Achetez sans argent. Praise the Lord. Gloire à Dieu. The blood of his cross. Le sang de sa croix. To reconcile all things to himself. Pour réconcilier toutes choses avec lui. Why must we preach the cross? Pourquoi devons-nous prêcher la croix? The reconciliation of all things. La réconciliation de toutes choses. Of all people. De tout le monde. To himself. Avec lui. Whether there are things in heaven or on earth. Que ce soit les choses dans le ciel et les choses sur la terre. It's only possible. Ne sont possibles. Because of what happened at the cross. Qu'à cause de ce qui s'est passé à la croix. And even people like us. Et même les gens comme nous. We were only reconciled. Nous avons été réconciliés. From the wicked works that we were doing. De nos mauvaises œuvres. By that same blood. Par ce même sang. Of the cross. De la croix. In verse 22, which is the end of that. Au verset 22, qui est la fin de ce. In the body of his flesh. Dans le corps de sa chair. Through death. Par la mort. To present you holy. Pour vous faire paraître devant lui saint. Brothers and sisters, may I say, frères et sœurs, je voudrais vous dire, the gospel begins with the cross. L'évangile commence avec la croix. Christian growth continues with the cross. Et la croissance chrétienne continue avec la croix. The glory and the hope of our glory. L'espérance de notre gloire is only sustained by the cross. N'est soutenue que par la croix. And the ladder to heaven.
Et l'échelle pour aller au ciel, is the cross. C'est la croix. So when we start teaching the cross, lorsque nous commençons à enseigner la croix, in bringing souls to God, en apportant, amenant les gens, les for âmes them à Dieu, to keep growing, pour qu'ils puissent croître, the cross is central. La croix est centrale. For them to experience the glory, pour qu'ils puissent expérimenter la gloire, the cross is essential. La croix est essentielle. And for them to see the glory in heaven, et pour qu'ils puissent voir la gloire céleste, they will only do so as they crucify. Ils n'y arriveront que par la crucifixion. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Finally, pour finir, Brother Paul now says in verse 25. Le frère Paul dit au verset 25. And you let me read that. Would you like to read verse 25, 26, 27? Read it in French. Okay, je lis le verset 25, 26, yes. 27. Yes. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Yes. Verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Amen. Whereof I am made a minister. C'est d'elle que j'ai été fait ministre. According to the dispensation of God which is given to me for you to fulfill the word of God, even the mystery which has been hid from ages and from generation, but now is made manifest to his saints, to whom God will make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is what? Christ in you. Savoir Christ en vous. The hope of glory. L'espérance de la gloire. Prof, can you read from your message for me very quickly? Ce même passage dans la version Colossians 1 verse 25 to 27 and then we read 28 and 29. Je pense du verset 25 à 27, on peut même ajouter 28 et 29. Message. Yes, sir. Bon, c'est une version amplifiée de la Bible. Ce mystère a été caché dans les ténèbres pendant longtemps. But now, it's out in the open. Mais maintenant, il est mis à l'air libre. The mystery, in a nutshell, is just this. That is the substance of our message. C'est là la substance de notre message. We teach in a spirit of profound common sense so that we can bring every man to maturity. Afin que nous puissions amener tout le monde à la maturité. Yes, sir. To be mature is to be basic. En fait, la maturité, c'est d'être basique. What does it mean to be mature? Selon ce message, qu'est-ce c'est quoi être la maturité? C'est quoi? He said it is to be basic. C'est d'être fondamental. C'est-à-dire Christ. C'est-à-dire résumé. No more, no less. La maturité, en fait, c'est Christ. Rien de plus, rien de moins. We will stop here tonight. Nous arrêtons ici ce soir. This gospel. Cet évangile.
If we're going to preach it, si nous voulons le prêcher, I said there are many, many packaging. J'ai dit qu'il y a beaucoup de sortes d'emballages. There may be several things that people gathered around. Il y a beaucoup de choses que on réunit autour du message. But the crux of the message. Mais le cœur du message. Christ. C'est Christ. And Him crucified. Et le Christ crucifié. For me, it is okay for us to pray together. Mais pour nous, pour moi, je pense qu'on est arrivé au point où nous devons prier. It's okay, even if all God has shown you tonight. C'est ok, même si tout ce que Dieu t'a montré ce soir, the cross, c'est-à-dire la croix, and the power, et la puissance, the wisdom of God, la sagesse de Dieu, and the transaction that takes place at the cross, et la transaction qui a eu lieu à la croix. And if anybody will be saved, et pour que quiconque soit, if anybody soit, will be delivered sincerely, que quelqu'un soit sauvé et vraiment délivré, they must be confronted, il doit être confronté with what happened, avec ce qui s'est passé on their behalf, en sa faveur, at the cross, à la croix. You are going to pray with me tonight. Vous allez prier avec moi ce soir. I don't know how the Holy Spirit will have been working in your spirit. Je ne sais pas comment est-ce que le Saint-Esprit est en train d'œuvrer dans ton cœur et dans ton esprit. But I sense that, mais je sens que, as we look at the man of Calvary tonight, alors que nous levons les yeux vers l'homme de Golgotha, as we bring you to the cross, alors que vous allez à la croix, which is the origin, qui est l'origine, origin for your victory, l'origine de votre victoire, origin for your journey to heaven, l'origine de votre marche, is the origin for every matter, c'est l'origine that will become symmetrical in your life, de tout sujet qui sera symétrique à votre vie. If you are going to progressively walk with God, si vous voulez marcher progressivement avec Dieu, that is where to begin. C'est par là qu'il faut commencer. If you are going to be free from the world system, si vous voulez être libéré du système de ce monde, it will be because the cross has worked. Ce sera parce que la croix a travaillé, a œuvré. As I talk to you tonight, et pendant que je vous parle ce soir, the prince of this world, le prince de ce monde, has been cast out, a déjà été jeté dehors. Because at the cross, parce qu'à la croix, he disarmed principalities, il a désarmé, il a dépouillé les principautés, made a public show of them, il les a livrés publiquement en spectacle, destroyed their powers, il a détruit leurs puissances, and triumphed over them in the cross, il a triomphé d'elles par la croix. People like us, by God's grace, des gens comme nous, par la grâce de Dieu. Honestly, I don't know how the devil looks at me. En tout cas, je ne sais pas comment le diable me regarde. But I know he looks at me with terrible regret. Mais je pense qu'il me regarde avec un grand regret. He wish I am not alive. Il aurait souhaité que je ne sois pas vivant. But there's nothing he can do about it. Mais il n'y a rien qu'il peut faire. He wish we are not preaching this. Il aurait souhaité que nous ne prêchions pas ce message. But there's nothing he can do about it. Mais il n'y a rien qu'il peut faire. The cross has happened. La croix a eu lieu. The only thing that remains, tout ce qui reste, it must be preached, c'est que cela doit être prêché, so that you can see it, afin que vous puissiez le voir, so that others can see it, afin que d'autres personnes puissent le voir. Many things happen when you see the cross. Plusieurs choses se passent lorsque vous voyez la croix. Sicknesses disappear. Les maladies disparaissent. Bondages of many years disappear. Les liens aussi qui sont là depuis des années disparaissent. Fear of death disappears. La peur de la mort disparaît. The accusation of the devil is withdrawn. La culpabilité, l'accusation du diable se retire. The sting of sin is wiped out. La souillure et la tache du péché est effacée. And your soul is transformed. Et ton âme est transformée. There's an exchange that takes place. Il y a un échange qui s'opère. The old has passed away. L'ancien est passé. And the new has come. Et voici, toutes choses deviennent nouvelles. I want you to let's celebrate the Lord Jesus. J'aimerais que nous puissions célébrer le Seigneur Jésus. That's all I want you to do for me. C'est tout ce que je peux vous demander de faire d'abord.
You may want to stand up to thank him. Si vous voulez vous tenir debout pour le remercier. You may want to kneel down to worship. Peut-être vous voulez vous mettre à genoux pour l'adorer. You may want to say thank you for going to the cross. Vous êtes tenté, vous voulez dire merci d'être allé à la croix. Thank Seigneur, you for taking my place. Merci d'avoir pris ma place. Thank you for drinking that terrible cup. Merci d'avoir pris et bu à cette coupe. Thank you, merci, Jesus. Merci Jésus, merci. Thank you for going all the way to Calvary. Merci d'être allé à la croix. The world, they thought it was a small thing. Le monde pensait que c'était une mince affaire. The prince of this world, they thought it was a ridicule. Et les princes de ce monde pensaient que c'était ridicule. They did not know that it is the mystery. Mais ils ne savaient pas que c'était un mystère. They did not know it is the wisdom of God. Ils ne savaient pas que c'était la sagesse de Dieu. The world system did not know. Le système du monde ne savait that pas at the cross, que à la croix, their judgment will be sealed. Leur jugement sera scellé. Their power will be discarded. Leur puissance sera rejetée. Little did they know. Ils n'ont pas vraiment. Oh, thank you, Lord. Ils n'ont pas eu une idée de cela. Oh, to those that are being that are perishing. Pour ceux qui périssent, it might look like foolishness. Ça peut sembler une folie. To those of us that have been saved, mais pour nous qui sommes sauvés, it is the ornament of grace. C'est vraiment un ornement de grâce. Lord, thank you. Merci, Seigneur. Thank you for saving Merci me. Merci de m'avoir sauvé. Thank you for drinking that cup. Merci d'avoir bu cette coupe. Thank you for going to the cross. Merci d'être allé à la croix. Thank you, Lord, for the cross. Merci, Seigneur, pour la croix. You remember the singer that talked about the old rugged cross? Vous savez, le compositeur qui a parlé de la He sang croix. So beautifully about that rugged cross. Il a parlé de cette croix rugueuse. Oh Lord, we thank you. Oh Seigneur, nous te remercions. Thank you for going to Calvary. Merci d'être allé à la croix du Calvaire. Thank you for laying down your life for us. Merci d'avoir. Thank you for breaking the power of darkness. Merci d'avoir brisé la puissance. Thank you for destroying age-long covenants. Merci d'avoir brisé. Thank you for the ancestral spirits were discarded. Merci parce que les esprits familiar spirits were cast out. Ils ont été jetés dehors. Chains were broken. Les chaînes sont brisées. Chains were broken. Les chaînes ont été brisées. Age-long and ageless sicknesses were removed. Les maladies ancestrales et héréditaires ont été ôtées. Condemnations were removed. La culpabilité, la condamnation a été ôtée. And today I am free. Et aujourd'hui, je suis libre. Lord, I am free. Je suis libre, Seigneur. Blessed be the name of the man Béni of Calvary. Soit le nom de l'homme du calvaire. He went all the way to Calvary. Il est allé jusqu'au calvaire. Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Anyhow you like to celebrate Jesus. Bénis le Seigneur de toute façon. But you see, you will go beyond that tonight. Mais tu vas aller au-delà de ce point. Can you celebrate his resurrection? Est-ce que tu peux célébrer sa résurrection? Can you celebrate that he who was crucified? Est-ce que tu peux célébrer ce que celui qui a été crucifié? Is he who has been glorified? C'est celui qui a été glorifié. He who was buried? Celui qui a été enseveli. Has been raised. Ressuscité. Seated in the right hand of God. Assis à la droite du Père. Given a name that's above all names. Ayant reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. And that the name of Jesus. Afin qu'au nom de Jésus. Every knee should bow. Tous genoux fléchissent. Every tongue must confess. Et langue confesse. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Seigneur. Can you go ahead and celebrate? Est-ce que tu peux continuer de célébrer? That the cross. Parce qu'à la croix. Reconciled me to God. La croix m'a réconcilié avec Now Dieu. Now between me and my Father. There is therefore now no condemnation. Il n'y a plus de condamnation. No condemnation. Plus de condamnation. Nothing. No reason to walk in the backyard. Il n'y a plus rien qui va me pousser. I can come fearlessly. Marcher hors de la into cour. The holiest of holies. Je peux venir avec assurance dans le Saint des Saints. Be sure of a glad welcome. Être rassuré d'un accueil chaleureux. Would you like to thank God for the blood? Est-ce que tu peux bénir Dieu pour le sang? The blood that cleanses from all unrighteousness. Toute injustice. The blood that takes away the stains of sin. Le sang qui purifie. The blood, the blood. Le sang. The blood that speaks better things than that of Abel. Le sang qui parle mieux que celui d'Abel. Thank
you for the blood. Merci pour le sang. Thank you for the blood of Merci his cross. Pour le sang de sa croix. Lord, we thank you. Seigneur, nous te remercions. Tears could not save me. Les larmes ne pouvaient pas me sauver. Even if I bathe myself with tears. Même si je me lave dans mes larmes. It could not take away my stain. Ça ne peut pas ôter les taches. But the blood. Mais le sang. The blood of le Jesus. Le sang de Jésus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Would you like to celebrate? Est-ce que tu peux célébrer the defeat of Satan tonight? La défaite de Satan ce soir. The defeat of Satan tonight. La défaite de Satan. Would you like to celebrate? Est-ce que tu peux te réjouir that the prince of this world is cast out? Du fait que le prince de ce monde est Where he used to be a big man. Là où il était comme important. He is now on the ground. Maintenant il est à terre. Power is broken. Et sa puissance est brisée. His force has been swallowed. Oh, sa force a été avalée. At the cross. À la croix. In the cross. In the cross. Be my glory ever. Till my righteous soul shall find rest beyond